Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, saison 54, épisode 3998 du Mercato. Alors Nono, premier départ acté et qui tiquait. Paris va récupérer 26 millions d'euros. Fin de contrat, Navas, Sergio Rico, Letellier, Kurzawa, Ethan Mbappé, Kylian Mbappé quittent officiellement le Paris Saint-Germain. Maintenant les problèmes arrivent. Et ça, tu adores ça, Nono. C'est ton sujet favori. Je t'adore dans cet exercice. C'est pour ça que je vais te laisser parler. Les retours de prêt, les retours de prêt, Nono. Juan Bernat, Housni, Lemina, Renato Sanchez, N'Dour, Carri, Xavi Simons, Moscardo, Dagba qui est encore en contrat avec le PSG. Je sais pas jusqu'à quand il a signé, mais c'est incroyable. Muntu Wagamungu, voilà tous les joueurs qui vont revenir de près, Nono. Ah bah écoute, là tu m'as donné un mal de tête de là que je vais aller prendre un Doliprane. C'est plus un chantier, ça va être entre les retours de prêt et les joueurs qu'ils ne veulent plus. Ça va être un travail colossal. Je sais, je vois pas comment ils vont s'en sortir là. Mais Nono, j'ai une question. Dagba, il a signé jusqu'à quand au PSG? Ça fait 100 ans qu'il est là, le gars. Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. Je te dis Doliprane sur Doliprane là. Alors très rapidement, Nono, entre Housni, Lemina, Renato, N'Dour, Carri, Xavi Simons, Moscardo, Dagba, Muntu, Wagamungu et Bernat, combien t'en gardes? Je suppose que Ben, tu... à part Simon, ça, je vois rien d'autre, hein. Donc, ça te fait à peu près une dizaine, d'après ce que tu m'as dit, Mais une dizaine de retours de prêt, tu m'as dit que Lemina et N'Dour t'aimaient bien, et Moscardo, il va signer, donc... voilà. Oui, d'accord. Ben, Moscardo, c'est toujours pareil pour l'interrogation. On pensait que Beraldo, c'était un phénomène. Bon, ben, c'est juste un bon joueur. Mais qui c'est qui a dit, qui c'est qui pensait que Beraldo c'était un phénomène? Eh ben, sélection brésilienne, déjà titulaire dans la sélection brésilienne, on a vu ses limites. Moscardo, on ne sait pas ce qu'il vaut, souvent blessé aussi, et je crois qu'il est, on ne sait pas comment il sera rétabli. On a l'exemple de Skriniar, on a vu que les joueurs blessés ont beaucoup de mal à revenir, on l'a même vu pour Nuno Mendes, donc voilà quoi. Wagamungu. À part Simon, je vois aucune plus-value pour l'équipe. Tu connaissais Muntu Wagamungu? Non, la vérité, je ne connais pas. N'Dour et Lemina, tu gardes pas vu que tu les aimais bien l'année dernière? Bon, ben N'Dour, bon, on l'a vu en match amical l'année dernière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. Je ne sais même pas ce qu'il a fait cette année, pour être tout à fait honnête. Voilà, quoi. On a oublié aussi Ismaël Garbi. Bon, ben Gardi, ça... Non, non, ce n'est pas des plus-values pour un club comme le PSG. Bah lui, il veut s'imposer au PSG, sauf qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas le niveau. En tout Mais cas, voilà, ben c'est ça le problème, hein. la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne s'intéressent à lui, mais bon. Quand tu te rappelles de Michu, Nono, soi-disant c'était un phénomène, ils n'ont même pas réussi à le vendre 5 millions d'euros. Bref. Pareil, pareil, petit joueur de Ligue 1, voilà. Je crois même pas. Alors, dans le dossier Simons, c'est toujours aussi flou. Une réunion a eu lieu le 13 mai entre le camp de Xavi et le PSG. Alors le clan de Xavi a indiqué que le joueur préférerait un nouveau prêt. Cependant, cette information reste à confirmer car d'autres réunions pourraient avoir lieu ou eu lieu. Alors dans ce dossier, Nono, moi honnêtement, je n'y comprends rien. J'aimerais bien voir le contrat pour voir vraiment c'est quoi le truc. Le lundi, c'est le mec qui veut venir au PSG mais Paris n'en veut pas. Le mardi, c'est lui qui veut pas rester à Paris mais c'est Paris en fait qui veut pas le garder. Le mercredi, si Paris le vende, c'est le PSV Eindhoven qui touche l'argent. Après, c'est plutôt Leipzig qui veut le garder, mais lui veut revenir. C'est n'importe quoi. Ouais, ben, je vais te dire, le joueur, il hésite. Simons, il hésite parce qu'il voit quand même les difficultés, et ça, tu peux pas dire le contraire, les difficultés à partir du PSG. Mbappé, tu as vu comment ça a fini. Verratti, il voulait partir à un moment à Barcelone, il n'a jamais plu. Neymar, il voulait partir à un moment, il n'a jamais plu. Il faut reconnaître que c'est très difficile de partir du PSG quand tu es sous contrat. Donc, peut-être que c'est ça qui le font hésiter. Alors, Gvisha Kvaratskhelia fait l'unanimité au sein du club. Paris aurait déjà envoyé une offre de 100 millions d'euros. Laurentiis en voudrait 150 et tente de le prolonger. Luis Enrique, qui recherche un ailier rapide et très efficace en 1 contre 1, a reçu la proposition du profil de Kvara. L'entraîneur espagnol apprécie grandement ses qualités et estime qu'il s'intégrerait, excusez-moi. Qu'il s'intégrerait parfaitement dans son projet de jeu, Nono.
Ouais, bah c'est fort possible. Hein. Bon, bah, cette année, un petit peu en baisse, mais c'est un joueur qui m'a fait vibrer la saison d'avant. Très, très, très fort. Donc, s'il revient à ce niveau-là, avec plaisir. Hein. Non, mais Avec c'est trop plaisir. cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Faut arrêter. Mais bah, voilà, comme tu as dit, malheureusement, quand c'est le PSG, bah, quand ça vaut 80 normalement, bah, ça peut se finir à 130. C'est le problème du PSG aussi, ça. Alors, un autre dossier qui va te plaire, les négociations entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et l'agent Jorge Mendes continuent concernant les transferts. Jorge Mendes est ouvert à un transfert de João Neves au PSG, mais le club devra d'abord alléger son effectif et Luis Enrique a entièrement validé le profil de João Neves, Nono. S'il l'a validé comme Ugarte, on peut s'inquiéter. Hein. Ben moi, sans plus, hein. Moi je l'ai vu, et c'est bien le Neves de Benfica. Ah bah qui d'autre? Bon, parce qu'il y a plusieurs Neves, donc bah oui, non, sans plus, sans plus. Ouais, bof, ça c'est toujours pareil, hein. Ben sans plus, je vois pas la plus-value. Là, ils te font des cadors maintenant. Voilà, tu veux recruter, tu recrutes des cadors ou tu recrutes pas. Mais c'est Tu quoi veux les cadors? l'effectif qu'il faut, hein? C'est qui les Il faut cadors? des joueurs vraiment qui soient supérieurs à ceux qui sont là en ce moment. Mais qui par exemple? Ah ben là, j'ai pas d'idée en tête. Les noms que je pense, et ben, je pense que c'est impossible. Bon ben voilà, c'est ça le problème, hein? Impossible n'est pas français, Nono. Ouais, ben attends, Sacha, n'oublie pas que finale de Coupe de France, tu avais 300 millions sur le banc, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te En tout dise? cas, Paris tient sa première recrue, Nono. Matoué Savonov, 25 ans, va signer au Paris Saint-Germain pour un peu plus de 20 millions d'euros. Le portier russe arrivera de Krasnodar. Ça devrait être la première recrue parisienne, d'après Fabrizio Romano, Nono. Ouais, bah, ça peut être la bonne surprise. Pourquoi la bonne surprise? Bah, tu prends encore un but en finale de Coupe de France. Eh ben écoute, pas bon au jeu au pied, pas bon dans les sorties aériennes. Je veux pas le massacrer à Donnarumma. Exceptionnel sur la ligne, mais ça suffit pas. À un moment, ça suffit pas. Donc il y a danger pour Donnarumma alors. Bah, il y a gros danger. Ah, parce que 20 millions à un gardien de but, c'est pas pour cirer le banc, hein. C'est quand même assez important comme transfert. Bon, bah tu sais Nono, quand t'achètes 90 millions Colomouani, 90 millions Goramos, 60 millions Ugarte, ils ont été sur le banc, pourquoi pas lui? Oui, tout est possible à Paris, on le sait. Ici c'est Paris Nono. Hein. Eh oui, ici c'est Paris, mais ça m'énerve parce que voilà, il y a des moments où il faut prendre des solutions radicales. Tu mets pas l'un contre l'autre. Soit tu arrêtes avec Donnarumma et tu prends un autre gardien, mais tu mets pas deux gardiens en concurrence, on sait que ça se passe toujours mal. Voilà, c'est tout. Plus de 200 millions sur le banc hier, nous. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit, voilà. Ben voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!